Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Paper Trail avec Paige qui venait d'arriver dans les ruines après un petit passage par un charmant petit village d'automne. C'est parti! Donc nous voilà avec de jolis petits décors, comme je le disais précédemment, ils sont vraiment top. Bonjour, toi là-bas! Qu'est-ce qui t'amène ici? Fais attention à ne rien toucher, je fais des fouilles sur ce site. Ces fondations ont une forme vraiment étrange. Et effectivement, on commence à avoir des formes vraiment étranges. Donc on va pouvoir descendre, la rejoindre. Et ensuite, on devrait pouvoir... d'une manière ou d'une autre. Non, on peut pas descendre jusque là. Voilà. Alors, quand on parle de tuiles bizarres, on y est toujours, il va falloir passer ce petit muret. Excusez-moi. Je suis pas tout à fait comme il faut. Sauf que si je fais ça. Ah, si je peux passer là. Hop, parfait. Je vérifie. Pas d'origami caché. Tout va bien. Alors. On a une pierre. On a un 1. L'autre 1 est là. Ok. Sauf que si je vais là, je peux pas mettre mon 1 à côté de mon 1. Ah, je peux peut-être déjà faire ça pour m'éloigner. Et ensuite, je peux caler ce 1 à côté de ce 1. Et je devrais pouvoir simplement pousser ma pierre. Non, je peux pas simplement pousser ma pierre. Je peux tirer ma pierre. Parfait. C'est, ça marche aussi, c'est ce qu'on voulait. On veut pouvoir passer. Ok, on a des... Ok, on a des statues, génial. On a un origami ici, génial. Je peux le pousser comme ça. Okay, j'aurais peut-être pas dû le pousser tout à fait comme ça. Si, c'est pourtant ce qui paraît le plus intelligent dans l'histoire. Sauf que si je le pousse... Je peux? Ah non, il me manque un, c'est ce qu'il me semblait. Il me manque un. Il me manque un. Donc je te retire. Est-ce que, à tout hasard, genre si je te pousse et qu'ensuite je vais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est Paige qui te tire. Ça change absolument rien à la donne. Mais c'est par le fait que je suis du bon côté pour le tout le reste. Et là, normalement... Ouais, c'est ça. La statue me gêne. Je ne peux point. On va la ramener par là. Je peux pas faire de tour. Mais je vais peut-être pouvoir faire le tour. Genre la pousser. Comme ça. Voilà, comme ça, je peux aller jusque-là. Tant qu'il n'y a pas de météorite, il n'y a pas de lézard. Parfait.
Et du coup, elle était juste là pour nous barrer le chemin. Ok, donc rebelote. On a de nouveau une statue. En plus, on peut pas traverser. Et en plus, je sens qu'on va se marrer. Alors théoriquement, moi, je peux traverser comme ça. Ce qui sera pas tout à fait le plus simple. Mais en fait, voilà, je peux faire ça. Sauf que... ça, c'est la partie simple. Moi, je voudrais mon origami. Ouais, c'est bien ce que je... On va se marrer. On va se marrer. Je peux pas... Je peux la pousser. La tirer. Est-ce que je peux la mettre dans un coin? Et comme ça, elle est dans un coin, on n'en parle plus et tout le monde va bien. Peut-être bien. Sauf que du coup, je l'ai mis de ce côté-là. Et que peut-être... je voulais la mettre de celui-là pour pouvoir passer, sauf qu'en fait non. Parce que du coup, je peux pas attendre mon origami. Est-ce que je vais devoir me balader avec ma statue? Non, parce que j'ai pas envie de me balader avec ma statue, moi. Genre, je l'avance. Je l'emmène ici. Sauf que là, j'ai pas trois cases. Je peux pas la descendre. T'es chiant, statue. Je te mets tout là. Et moi, je vais là. Voilà. Un éléphant! Et du coup, on a dit, pour passer, on la dégage, et on passe. Ah mais non, mais dégage là un endroit où tu peux passer, Paige. Comment ça, c'est moi qui clique? C'est pas un prétexte. Ok. Une grosse tuile, un origami... un gouffre, une statue qui va nous casser les cacahuètes. On peut la contourner. Ah, on va peut-être pouvoir faire des choses intelligentes. Genre, je la pousse. Je vais là. Non, du coup... ah oui, j'aurais peut-être pas dû la pousser jusque-là. J'aurais peut-être juste dû faire ça pour pouvoir la pousser comme ça. Faut pas que j'oublie que je descends hein, dans l'histoire. Mais peut-être que... ouais, voilà. Une girafe! Parfait. Du coup, on veut descendre. Ah. Attends, comment j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait comme ça. Donc on va faire comme ça. On emmène la statue ici. On la pousse là. Ah, il manque... il manque quasi rien du tout. Est-ce que je peux la pousser un peu plus? Ah, je peux la pousser un peu plus, c'est parfait. Hop, je la pousse là. Et je tire ça jusque là. Wow! Parfait! Ça alors, quel plaisir de te revoir! Regarde ces anciennes lignes telluriques! Ne sont-elles pas fascinantes? Je me demande ce qu'elles signifient! Alors, on a vu, grosso modo, à quoi ça servait, ce genre de choses-là. Donc, on a déjà un peu une idée. Puisqu'on a déjà eu... dans un certain nombre de puzzles. Oh, ça alors! Il semblerait qu'on ait trouvé un moyen de sortir! Si tu regardes attentivement, tu peux voir qu'elles ont été gravées à la main. Et date de plusieurs siècles au moins. Elle nous redit d'autres choses?
Nous sommes peut-être les premières personnes à venir ici depuis très longtemps. Mais les animaux ont l'air de bien connaître ces endroits. J'ai remarqué des traces de cerfs sur le chemin. Vraiment intéressant les dialogues. Ok. Je suis censé amener ma statue là. Mais encore. Mais encore. Je vais pouvoir la tirer peut-être. La statue. La statue. Clique là où il faut, Jojo. Et puis la pousser. La tirer, la pousser, la pousser, la tirer, là. Non, je vais là. Non, là je me coince. Il faut qu'elle aille par là. Mais d'une manière intelligente. Alors peut-être. Non, j'ai rien d'intelligent là. J'ai rien d'intelligent dans l'histoire. Ici, on a déjà un bout de terre qui pourrait nous être utile. Je vais la remettre dans sa position initiale et réfléchir un peu. On pourrait, si on arrive à la décaler jusque-là, on pourrait... sauf que, bah, bien évidemment, c'est ce qu'on veut, la décaler jusque-là. On sait que si on la met là, on pourra pas la bouger. Parce que ce serait l'idéal, en fait, qu'on puisse bouger ça comme ça. Ici, est-ce que ça va pas m'aider un petit peu? Peut-être bien, peut-être que je peux la caler là. La statue, je veux la bouger. Je vais pas pouvoir la tirer, je vais pas pouvoir la mettre là en fait. Je vais pas pouvoir, ouais c'est ça, je peux pas la pousser, je peux pas la tirer. Je vais la remettre là. Et ici, j'ai pas réfléchi à ici, je peux peut-être faire des choses intelligentes ici. Qui consisterait à par exemple l'emmener là. Je peux pas la tirer plus. Est-ce que, sauf que ça c'est pas intelligent, ça n'a rien de plus intelligent. On veut qu'elle passe là, sauf qu'elle peut pas aller là, hein, bien évidemment. Que je peux pas plier ces choses-là plus que les petits carrés qu'ils sont. Ça ne m'avance à rien. Remettons tout ça comme ça. Ça a forcément une utilité. Je ne peux pas la décaler plus. En même temps, je peux la décaler tout autant que je veux, là. Mais c'est pas la question. La question, c'est que derrière, j'arrive pas à l'emmener de ce côté-là. La statue, je la pousse. Sauf que si je la pousse là, ça marche pas. Je peux pas la pousser mieux. Je me suis softlock là. Donc, on recommence le niveau. Oui, on recommence le niveau. Une fois n'est pas coutume. Voilà. On est
ici. On veut aller là. Et mis à part le fait qu'il y a la statue, en fait, je peux plier autant que je veux. C'est-à-dire que je peux plier comme ça, si je le veux. Donc en fait, il faut juste que je la fasse traverser. Est-ce que je peux la faire traverser? Est-ce qu'il y a un moyen où je peux la faire traverser, puis revenir par là? Est-ce que j'ai ce genre de possibilité? Est-ce que je peux emmener Paige jusque là? Sauf que Paige, je veux pas dire que ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça m'intéresse pas plus que ça. La statue, je peux certes la bouger un peu, mais dans la limite du raisonnable. Et malheureusement, le raisonnable, une fois qu'on l'a amené d'un côté, est-ce que je peux genre moi je repasse? Moi je repasse, je peux pas repasser. Si, moi je peux passer. Je peux pas traîner ma statue. Mais je peux passer. Sauf que là, ça m'arrange à peine. Voilà. L'astuce était là. Hop, je vérifie quand même. Il n'y avait pas d'origami. Et je pars. Ok, encore une forme bizarre. En fait, dit comme ça, ça paraît simple. J'imagine qu'on vient chercher une pierre. Une des deux. Qu'on l'emmène là. Et qu'on l'emmène là. Je dirais bien et de une. Sauf que j'imagine très bien que, une fois que je vais avoir fait ça, voilà, la deuxième va me casser les cacahuètes. Ce qui veut dire qu'il faut plutôt que je l'emmène ici. Ou pas d'ailleurs, je vais quand même la positionner. Hop. Et du coup, ben en fait, j'emmènerais bien l'autre au même endroit. Pour pouvoir ensuite la pousser dans l'autre sens. Ah, sauf que là, ça marche pas. J'ai pas du tout à fait. Voilà. Me laisser les 4 tuiles pour pouvoir manœuvrer. Hop. Sauf que. Comment je traverse? Comme ça. Voilà. Je peux pas la monter. Sérieusement, tu veux pas monter, cocotte? Non, mais c'est quoi cette histoire? Ah, je peux monter l'autre. C'est juste une question de placement. Hop. Et celle-ci, là. Je vérifie. Je vois pas d'origami. Du coup, on redescend. Ok, encore. Ah, on a des petites statues, certes, mais on a des petites maisons. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir prendre notre statue et la mettre là. Et prendre notre maison. Donc, on prend une porte pour aller vers l'autre. On jette notre statue dont on veut pas.
on déplie. Et on est parti. Ok, encore une statue qui nous casse les cacahuètes. Il y a un origami, il y a une plateforme mouvante, il y a deux portes et il faut qu'on amène notre statue là-bas. Hop, je l'envoie là-bas. Maintenant, comment j'envoie Paige là-bas? Ceci est une question simple. Avec les maisons. Les maisons. Il me faut une maison. Il me faut une deuxième maison. Page. S'il te plaît. Statue. Merci. Sauf que du coup. Si, parce que je vais pouvoir déplier là, remettre la statue, déplier, aller ici, faire ça, renvoyer ma statue du bon côté. Mais avec Page de ce côté-là. Non, c'est Page. C'est la statue que je veux que tu pousses, Page. Voilà. Sauf que j'ai pas chopé mon origami. Sauf que j'ai pas chopé mon origami. Lion reste fondamentalement un gros chat à perruque. Et pour une fois, on va aller voir la collection. Ah, oh, il nous en manque un. Entre la girafe et l'éléphant. Ah, ou peut-être qu'ils sont dans le bon sens. J'espère qu'ils sont en colonne. J'ai pas du tout fait gaffe. Ouais, je pense qu'ils sont en colonne. Ok, ici on a un 4, on a deux portes, on a une statue qui va nous les casser les cacahuètes, et le deuxième 4 est là. Ok, donc le 4 va nous permettre de faire ça. Les portes vont nous permettre de passer en abandonnant notre statue. Là où elle nous embête pas. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va remonter. Ah! Mais ma statue, elle me les brise quand même. Non mais sérieux, statue. Sérieux. Crotte. Du coup, on retourne là. Et je peux pas la pousser. Ah! Si, si, je peux faire ça. Je peux faire ça. Je vais là. Je déplie. Je bouge la statue. Je bouge la statue. Bouge, cochonnerie de statue! Sauf que, je vais peut-être la mettre là en fait. Comme ça, je peux aller là. Et comme ça, je peux la repousser le plus loin possible. Revenir ici. Sauf qu'en fait, non, c'était nul. C'était nul. C'était nul, mais en fait elle nous dérange plus du coup là la statue. Donc il faut juste que je réussisse à aller là. Et pour aller là. Pour aller là. Bonne question. Pour aller ici. En fait, il va peut-être falloir quand même que je replie ça. Et que la statue qui me brise les cacahuètes, elle me les brise autrement. Je vais la mettre là. Ce qui m'arrange pas.
Est-ce que je peux... Je peux pas la pousser vers le bas. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Oups. Oups, 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 elle me gêne. Elle me gêne. Elle me gêne. Je veux aller là. La manière la plus évidente, c'est d'aller là. C'est d'arriver ici. Pour arriver ici. Pour arriver ici. Pour arriver ici, je vais recommencer le niveau. Je pense qu'on va tout simplement arrêter l'épisode là. On finira ce casse-tête lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!